come here. You are such a boss and I can't believe it. Rabbi Kletas Nirwana Babana. Je suis Nada Mesnia Fayed, une réalisatrice du film Histoire tunisienne. Mon film, on a une projection au marché du film. De quoi parle le film ? En fait, le film, il parle de la société tunisienne, bien avant la révolution. C'est un film qui parle de beaucoup de problèmes, en fait, du célibat, du chômage, de la frustration qu'une femme peut avoir envers l'homme, de la relation entre l'homme et la femme. C'est un film c'est une reconstitution d'un documentaire qui a été fait bien avant. Donc toutes les histoires qu'il y a dans le film sont 100% réelles. Rien n'a été inventé, donc on a fait vraiment copier-coller les histoires qu'il y a dans le documentaire, on l'a fait en fiction. Moi, j'ai choisi ce sujet parce que j'ai habité toute ma vie à l'extérieur de la Tunisie. Et puis quand je suis descendue en 2009, j'ai fait un documentaire qui n'était pas quand même professionnel parce que c'était un documentaire, c'était pas vraiment un doc. C'était je prenais là où je pars avec moi la caméra et de chaque séquence que je filmais, j'ai fait un doc. Et puis j'ai eu l'idée de faire un film de ce doc parce que j'ai senti que j'avais besoin de montrer comment les Tunisiens vivent aujourd'hui. Contrairement aux films qui jouent auparavant dans les festivals et tout, qui ne reflètent pas du tout la réalité de la Tunisie d'aujourd'hui. Je voulais montrer une nouvelle Tunisie, les jeunes de la Tunisie, comment ils vivent. Non, justement, on a eu beaucoup de difficultés pour avoir. Ce film, il a été tourné avant la Révolution. Et puis, après la Révolution, on voulait avoir le visa d'exploitation pour qu'il puisse sortir dans les salles de cinéma. Et on a eu énormément de difficultés pour obtenir le visa. Parce qu'en fait, ce film parle beaucoup de la femme tunisienne libérale, qui s'assume, la femme qui sort le soir, qui fait la fête et tout. Contrairement à ce que quelques parties de la société tunisienne s'opposent. Donc voilà, non, on a eu beaucoup de mal. Je suis Nejib Belhassen, je suis tunisien. Je ne le parais pas trop, bon, vu que j'ai une grand-mère qui est française. Mon personnage, il s'appelle Hassan. Donc, il vivait en Tunisie avec ses parents. Par la suite, son père est décédé. Il est parti à l'étranger. On n'évoque pas le pays. Donc, il est resté à peu près 13 ans à l'étranger après la mort de son père. Il a connu une femme qui est tombée enceinte. Mais malheureusement, le jour où elle a couché, il n'était pas à ses côtés. Il bossait loin d'elle. Donc, elle était morte avec son bébé. Donc, il a reçu un deuxième choc après la mort de son père. Il est allé à l'étranger. Donc, après ce deuxième choc, il a rebroussé chemin vers la Tunisie. Et donc, il a retrouvé ses amis, dont l'un d'eux s'appelle Mo. C'est un rôle qui est joué par l'acteur Hamdi Hadda. Donc ce mot-là, c'est quelqu'un de connu en Tunisie. Il a un bar et entre guillemets, il fait des métiers qui ne sont pas très, très, très nets. Voilà, donc il rentre dans l'ambiance tunisienne après 13 ans d'absence à l'étranger. Voilà. Laïla Rokbeni, j'interprète le rôle de la maman de Shams, qui est premier rôle. Et l'interprétation de mon personnage qui reflète toutes les mamans qui sont dans une situation où elles se retrouvent avec une déception amoureuse d'abord de sa fille qui va rompre ses fiançailles. Ensuite, elle va être encore déçue par le divorce de sa fille. Un divorce est toujours quelque chose de pénible dans la famille, mais celui-là sera bien particulier parce que au fait elle divorce parce que son mari est homo, tout simplement. Donc je laisse les spectateurs voir le film et découvrir la suite.
Khaled Wissa. En fait, j'interprète dans le film de Nader, c'est un long métrage, le personnage de Fouet. Fouet, c'est un jeune adolescent qui représente une partie de la jeunesse tunisienne qui est perdue, socialement parlant. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle veut exactement. Elle est perdue dans le cadre familial, elle est perdue dans la société. En fait, ce qui montre le film, c'est que ce jeune qui cherche un petit peu un boulot, et à la fois il cherche à fonder une famille, il fait la connaissance d'une femme dans une drague dans la rue. Il fait sa connaissance et celle-là, elle fait partie, c'est une principale personnage dans le film qui est Sabrine. Il fait sa connaissance et a un déroulement après une situation qui est assez, assez sympathique. Mais le personnage, il veut éventuellement montrer ce que la jeunesse tunisienne essaie un petit peu parfois de chercher ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas le réaliser facilement. Voilà. La sortie du film 1er décembre de l'année passée, grâce à l'Union européenne, l'ambassadeur de l'Union européenne nous a aidés pendant les journées européennes. Donc on a pu obtenir le visa temporaire. Un mois après, on a obtenu le visa d'exploitation et on a fait presque 5 semaines dans les salles de cinéma à Tunis. C'était une très grande réussite pour nous, c'est une jeune équipe. La réalisatrice elle est considérée comme la plus jeune réalisatrice pour un long métrage. Pour le financement, c'est un autofinancement, donc c'est de nos poches qu'on a pu faire ce long métrage, filmé avec une technologie, l'une des meilleures caméras au niveau de la Redouane. Donc on a filmé dans les meilleures places de Tunis. On a réussi à convaincre les acteurs et les actrices dans un laps de temps très très court, parce que c'est une équipe très jeune, et c'était une très grande réussite. يزي بلا كذب يزي فديت منك كرهتك فديت منك نخدر روحي رأي فعلي نخدر روحي بدي يزي بدي عش بدي موت شبيه ضربك طيح لك قدرك